Bien joué, Eivor. Je ne m'attendais pas à moins. Que ce petit chat soit toujours là m'étonne. Il refuse de partir, le bougre, et il prend de la place. Et cela m'agace que Dero et Ena s'amusent de le voir ainsi attaché à moi. Ton petit groupe de rebelles grandit, ma foi. Très drôle. En vérité, ces rebelles se renforcent à chaque victoire, et ils gagnent en assurance. Nos victoires leur donnent confiance, et cela facilite le recrutement de nouveaux membres. Ainsi, ce repère ne suffira bientôt plus. Nous verrons cela le moment venu. Pour l'instant, nous nous battons. Qu'est-ce que tu veux faire ? Que peut-on faire pour les rebelles ? C'est tout pour l'instant? Alors, qu'as-tu décidé? Je repasserai plus tard. Eh bien, si tu changes d'avis, tu sais où me trouver. Voilà pour commencer. Bonne chance, Eivor. Nous avons une mission, Eivor, au cas où tu l'aurais oublié. Je vais rester. Le temps est un luxe qui nous fait défaut, Eivor. Tâchons de nous mettre au travail.
Magnifique. Si tu veux en faire davantage, je serai ici. Qu'est-ce à dire ? Une fête ? Si l'on veut. Un repos après un dur labeur. Viens, bois donc avec nous. Cet endroit commence à ressembler davantage à une taverne qu'à un repère de rebelles. On les appelle parfois estaminets ici. Sois prudent. L'abus de vin dénude le cœur de l'homme de sa cupule verruqueuse et tronquée. Bonnes gens. Je n'ai pas doux tempérament à faire de longs discours. Peu de mots. Nous sommes arrivés. Buvons! À nous et à Eivor. Te voilà aussi tendre que ce fromage que tu aimes tant. J'avoue qu'au début, je n'avais aucun espoir de succès. Ou plutôt, je préférais ne pas en avoir. Une petite bande de paysans en armes face à une armée de soldats aguerris. Mais aujourd'hui... Bah, l'espoir est un mot bien laid. Mais, mon Dieu, ils m'ont tant ému. Les amis se font plaisir et fraternisent. Un don échangé et l'amitié perdure toute la vie. C'est un vers du Havamal, une source de sagesse pour nous. C'est bien poétique pour une bande de pillards sanguinaires. Aidez-nous ! Ici ! Comment m'as-tu trouvé ? Où est Toka ? A deviné que tu serais ici. Elle est toujours à Melun, à chercher tes hommes de garde. J'ai perdu Angelvin, mais ce soldat m'a dit qu'il se dirigeait vers l'église voisine. Viens, nous pouvons passer par les bas-quartiers. Ah, même d'ici, on peut sentir l'odeur de pisse des bas-quartiers. Siegfried, je veux empêcher cette guerre d'atteindre l'Angleterre. Je dois rencontrer Charles. Quoi bon ? On ne peut pas discuter avec ces chiens. Tu as oublié le sort de mon frère Sinrich. Non, et c'est pour cela que je dois essayer. C'est la raison de ma venue en Francie. Si je tue Angelvin, je veux que tu m'aides à obtenir audience auprès du roi. Ah, impossible de raisonner avec toi, Milou. Tu es aussi sauvage que...
dans nos veines coule le sang des saints, des conquérants. Les hommes du Nord ont peut-être le nombre, mais nous avons le Seigneur. Regarde-le. C'est Eudes, le comte de Paris et bras droit du roi. Il doit chercher des soutiens pour son armée. Qu'importe la férocité des combats, nous garderons courage et honneur. Nous triompherons de ce mal, comme nous l'avons fait. Toujours aussi vaniteux. À côté de lui, c'est Gosselin, l'évêque de Paris, le redoutable guerrier. Pour un franc. Nous nous répéterons de ces deux-là un autre jour. Ta mission, c'est Angelvin. Et pour cela, tu dois réussir à entrer dans l'église. La solution est en bas, dans ce cloaque. On ne peut pas dire que ça m'aide beaucoup. Si c'était facile, je l'aurais tué depuis longtemps. Mais tu as un avantage. Tu n'es pas connu de ces... de ces gens. Siegfried le pillard est presque à nos portes. Et que vient-il chercher? La funeste pitance à jamais convoitée par les hommes du Nord. Le sang et l'argent. Le vôtre et le mien. Apparemment, ils me connaissent déjà. Quelqu'un là-dedans sait quelque chose. Il te suffit de l'obliger à te le dire. Ai-je donc ta promesse, alors? Qu'ensuite, nous irons voir Charles? Entendu, mais fais vite. Je ne peux pas rester longtemps loin de Melun. Et cette puanteur franque me retourne déjà l'estomac. Trois gardes, c'est une insulte. Je vais m'occuper d'eux. Toi, tu trouves Angelvin. Il se cache dans son église. Veux-tu te faufiler et convaincre l'un des siens à t'aider? Ou vas-tu rougir de sang toutes les rues? Comme tu le ferais. Il n'en mérite pas moins. Mais toi, toi, tu es l'ami des loups, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de mes conseils. Bon alors, que vas-tu faire? Je trouverai ma propre voie. Que vois-tu, Sinine? De Paris. L'homme du roi. Et il vous a dit, tout ce qu'on peut attendre des hommes du Nord, c'est d'agir en hommes du Nord. Parce que, c'est ce qu'ils sont. Voilà tout. Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent. Et ils voudront revenir. Mais nous devons les en empêcher. Parce que, si on y réfléchit bien, le comte Eudes est le protecteur de Paris. L'homme du roi. Et il vous a dit la vérité. Tout ce qu'on peut attendre des hommes du Nord, c'est d'agir en hommes du Nord. Parce que c'est ce qu'ils sont. Voilà tout. Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent. Et ils voudront revenir. Mais nous devons les en empêcher. Parce que si on y réfléchit bien, c'est notre
projet. Du pain ou une pièce? Du pain ou une pièce? Du pain ou une pièce? Cette auberge est à toi? À moi? Ce serait faire preuve de naïveté. Qu'est-ce que je peux pour toi? Tu ne manques pas de clients? Si tu veux parler des tablées de soldats qui se gobergent à mes dépens, oui, elles ne manquent pas. Mais entre nous, cela irait mieux sans ce vieil ivrogne qui passe son temps à se plaindre de l'évêque. Ah, je l'enverrais bien au diable. Mais pour être honnête, j'ai besoin de son argent. Il faut que je trouve l'évêque. Évêque? Ce n'est sûrement pas dans cette fosse à purin que tu le trouveras. Il aurait bien trop peur de souiller ces saintes choses. Un prêtre qui tient les comptes de l'évêque vient ici de temps à autre. La dernière fois que je l'ai vu, il était attablé avec des soldats. Merci de ton aide. Tu as l'air de quelqu'un qui aime les complaintes. Tu vas revenir. Le vin délie les langues autant que la bière. Il y a sûrement à la taverne quelqu'un sachant comment entrer dans l'église. Il faudrait que quelqu'un aille voir l'évêque, histoire de lui dire qu'il a pu à s'inquiéter pour ce scribe. Eh bien, pas moi. Je n'ai pas fini ma coupe, et cet évêque me met mal à l'aise. Pour un serviteur de Dieu, il a sale caractère. Chercher le scribe dans le quartier des Pestiférés, ou voir si quelqu'un en sait plus par ici. Peuvent vouloir à ma fille un évêque et ses soldats. Elle est honnête. Elle n'a jamais péché. Elle est tout ce que j'ai. Dis-moi, tu as parlé de l'évêque? Il me l'a prise. Ma fille. Elle a disparu. Elle est si douce, obéissante. Elle n'a jamais volé. Qui t'a pris ta fille? Est-ce que c'est l'évêque? Ses soldats, oui, dans les bas quartiers. Ils ont dit qu'elle avait volé l'évêque, qu'elle était un démon et devait connaître la délivrance. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Je retrouverai ta fille, ici, dans les bas-fonds. Et elle m'aidera à trouver Angelvin. Cela me fait de bonnes pistes. Thank you.
Sam bless joyous. Je dois me mettre en route. Au revoir. Dio Steward. Que vois-tu, ma vieille amie ? C'est pour you, attendez, idiots. Montre-moi. Prudence avant tout. Dangereux ici. Suis-moi. De justesse. De rien surtout. Ton père m'a dit que l'évêque s'était emparé de toi. Mon père?
Oui, c'était les soldats de l'évêque. Je n'ai pourtant rien volé. Ensuite, ils ont voulu m'infliger la délivrance. Tu as volé l'évêque? Tu as de l'audace? Je viens de te dire que non. Enfin, je n'ai pas pris d'argent. Ce n'était qu'une petite clé d'église. Je veux cette clé. Eh bien, les soldats aussi. Mais tu arrives trop tard. Je l'ai vendue à des bandits dans les égouts. Et pour pas cher en plus. Donc je t'aide et en plus je dois affronter les bandits. Eh oui, c'est la vie. Et puis bonne chance, les égouts ça pue. Bon, il faut que je retrouve mon père avant qu'on le chasse de la taverne. Ça doit être les égouts. Mais ils ont les dents pointues. Les marchandises ont été empaquetées. Ces bandits sont des contrebandiers. Elle est ornée d'une croix chrétienne. C'est celle d'une église. Désolé, nous sommes fermés. Tente ta chance en haut. Robin, je veux pas.
Guide-moi, Sinin. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme ? Los Kilder Arbors en la Manjo Ure Sinitlaet. In Chuchet es la medie del Sus Maxel, el es mals de dent remedie. Tu es là pour la délivrance ? Oui. Non. Je sais pas. Je veux être proche de Dieu, mais ces cris me plaisent pas. Ça te paraît normal à toi ? Ce rite de délivrance, c'est Angelvin qui l'accomplit ? Oui, justement. Et il le fait tout seul. Je suis le prochain sur la liste et je ne suis pas sûr d'en avoir envie maintenant. Je pourrais peut-être voir Angelvin à ta place, et toi tu t'en irais. Dis-moi ce que je dois faire. Il te faut une aube. On ne te laissera jamais entrer sans une aube particulière. Ensuite, tu suis le couloir et tu parles au prêtre. Alors donne-moi ton aube. Mon aube ? Certes, oui, on m'en a donné une, mais je ne l'ai pas encore revêtue. D'ailleurs, je l'ai laissée quelque part, par ici. Je vais la trouver et prendre ta place. Tu ferais bien de partir avant qu'on t'appelle. Oui, oui, tu as raison. Je vais faire exactement ça. Mais dès que j'aurai retrouvé mon calme. Ce n'est pas possible. L'évêque Angelvin n'a jamais évoqué ça. Pourquoi ces hurlements ? Que fait-on au sous-sol ? Quelle qu'elle soit, cette délivrance semble sinistre. Il faut que je trouve là. Cela fait des heures que mon frère attend en haut. Thank you.
domine. Ce doit être l'aube qu'il me faut. Elle est de qualité. Je vois que tu es fin prêt pour le rite. Prends cette clé, prépare ton cœur, et lorsque cela sera fait, franchis cette porte. L'évêque t'attend au-delà. Bienvenue, voyageur. Tes yeux sont couverts. Et pourtant, tu me vois. Justice et innocence sont aveugles, mais elles n'en voient que mieux. Trouve-les, éclaire le chemin et vois les trésors de Dieu. Dieu est lumière, et en lui, il n'est nulle ténèbre. Le chemin parmi les ténèbres vers la délivrance est clair quand Dieu l'illumine. C'est une énigme. Le chemin vers la délivrance. Ce doit être Angelvin. Éclaire le chemin. Sans elle, nous sommes aveugles. Tu es sorti nu du ventre de ta mère, et nu, tu repartiras. Entre ici, nu et seul. Angelvin. Il en va toujours ainsi. La délivrance ou la mort. Voilà une autre âme pour le jugement dernier. Toutes tes sentences sont justes. Ce déguisement risque de ne pas faire illusion. Je ferais mieux de rester à bonne distance des gardes.
va toujours ainsi. La délivrance ou la mort. Voilà une autre arme pour le jugement dernier. Toutes tes sentences sont justes. Tu dois entrer dans le bassin. Nous ne pourrons commencer que lorsque... Il y a une intrusion! Garde! Garde! À moi! De sortir avant qu'on le découvre. Thank you.
symbole bien étrange. Il doit avoir une signification. Des journaux. Apparemment, il luttait contre ses penchants. La lettre est adressée à Charles et parle de l'attaque contre Melun. Elle devait être envoyée cette nuit à un bordel de la taverne. C'est là que doit être le roi. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Tavernière, je cherche de la compagnie. Homme du Nord, tu cherches certainement quelqu'un d'aussi jeune que toi pour étancher tes appétits. Et en temps normal, je serais ravi de t'aider. Qu'est-ce qui t'en empêche ? L'endroit est fermé, à cause d'un visiteur, disons, spécial. Tu vas devoir te contenter des dilettantes. Ce visiteur doit être très important pour qu'on refuse une clientèle honnête. Ah, ne compte pas sur moi pour te le dire. Je tiens trop à ma tête. Ce qui est une forme de réponse quand on y réfléchit. J'aimerais vraiment te faire changer d'avis. Si ton besoin est si pressant, tâche d'en convaincre le garde à la porte. Il est au pied de l'escalier. Peut-être que quelques pièces... Ma foi, c'est possible. Tu ne pourras pas entrer par la grande porte. Mais comme souvent à Paris, il y a une autre entrée. Je t'écoute. Le gros arbre qui est devant la grande porte mérite ton attention. Mais tâche d'oublier que je t'ai dit ça, d'accord ? Merci à toi.